Les moyens de production, ils sont quelquefois individuels, personnels. Je vais où j'ai envie d'aller, je fais mes prises de vue, je les dépose ensuite soit dans une galerie qui me représente, quand ça a été le cas, soit dans l'agence qui me représentait, puisque j'étais l'un des acteurs fondateurs de l'agence Métis, qui n'existe plus aujourd'hui et où les anciens métis sont chez l'agence Signature maintenant. J'ai eu beaucoup de résidences partant d'une rencontre avec des institutions, la plupart du temps, des institutions culturelles, comme les instituts français à l'étranger, par exemple. Et là, je travaillais avec beaucoup de liberté, mais toujours autour d'un site, d'une ville, d'un secteur, d'une région, avec toute liberté, mais selon le principe préalable que j'ai décrit sur ma relation au paysage. Ensuite, donc, évidemment, exposition, diffusion par agence et publication éventuelle lorsque les moyens étaient là pour éditer un livre.